Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais remercier le comité scientifique et en particulier sa présidente Anne de m'avoir invité. Je suis très honoré de faire l'ouverture. Je suis très heureux d'être ici. Et donc aujourd'hui, comme Anne l'a mentionné, je vais parler de pondération en présence de non-réponses. Et essentiellement, cette présentation sera basée sur deux articles. Une discussion que j'ai coécrit avec Éric Lesage sur la pondération en présence de non-réponses. Et je mentionnerai à la fin brièvement le problème du calage généralisé pour la non-réponse. Et on a coécrit un article avec Éric Lesage et Xavier Dautefeuille. Voilà, et donc je parlerai de ça à la toute fin. Donc le plan de la présentation, je vais commencer par la pondération quand il n'y a pas de non-réponse. Et là, ça m'amènera à parler de deux approches de pondération en présence de non-réponse totale, la pondération en deux étapes et la pondération en une étape. Et on essaiera de voir les mérites et les problèmes de chacune des approches. Et je montrerai les résultats d'une étude par simulation et brièvement, je mentionnerai le problème du calage généralisé. Donc on commence avec une population finie de taille grand N. Et dans une enquête habituelle, on a de multiples variables d'intérêt que je vais noter Y1 jusqu'à YP, dont on veut estimer les totaux. Donc le total de Y1, total de Y2, total de YP dans la population. On va tirer un échantillon selon un certain plan de sondage et on va noter par PI la probabilité d'inclusion de monsieur I dans l'échantillon. Et le poids de sondage de l'unité I sera défini comme l'inverse de la probabilité d'inclusion. Et donc, on va se créer un système de pondération, qu'on appelle le système de pondération de base, qui est le système des DI pour chaque unité dans l'échantillon, où les DI, c'est l'inverse de la probabilité d'inclusion. Et ce système de pondération, il est approprié dans des conditions idéales, c'est-à-dire quand il n'y a pas de non-réponse, quand il n'y a pas d'erreur non due à l'échantillonnage, eh bien, ce système est approprié en ce sens qu'il... Alors déjà, lorsqu'on applique ce système de pondération à plein de variables, donc à Y1, à Y2, à YP, on obtient les estimateurs bien connus, Horvitz-Thompson, pour le total 1, le total 2, le total P. Et donc l'estimateur de Horvitz-Thompson, qui est une somme pondérée des Y dans l'échantillon, pondérée par ce poids 1 sur PI ou le DI. Et comme propriété, ce système de pondération de base, il offre une garantie, c'est l'absence de biais. Peu importe la variable qu'on considère. C'est-à-dire que l'estimateur de Horvitz-Thompson, que l'on considère Y1, Y2, YP, l'estimateur Horvitz-Thompson correspondant, il est exactement sans biais sous le plan de sondage, c'est-à-dire que si on prend tous les échantillons possibles de la population, eh bien, en moyenne, on retombe sur le vrai total, peu importe la variable qu'on tente d'estimer. Par contre, il garantit l'absence de biais. Mais l'estimateur de Horvitz-Thompson, donc le système de pondération de base, peut conduire à des estimateurs très instables si on a la conjonction de deux phénomènes. Des poids dispersés, donc les poids DI qui sont dispersés, et une faible corrélation entre les poids et les variables d'intérêt. Et donc quand on a ces deux facteurs, eh bien, habituellement l'estimateur de Horvitz-Thompson tend à être instable. Donc oui, il est sans biais, mais il peut être instable. Et cette discussion sur les poids, le fait que les poids sont dispersés, c'est valable pour le système de pondération de base, mais à chaque fois qu'on modifie les poids, que ce soit par calage ou pour la non-réponse, on ne veut jamais créer des poids trop dispersés, parce que pour peu qu'ils soient peu liés aux variables d'intérêt, ça conduit généralement à des estimateurs instables. Donc là, on va parler de calage quand il n'y a pas de non-réponse, et on suppose que pour chaque unité dans l'échantillon, on observe un vecteur de variables auxiliaires, de dimension J, X1 jusqu'à XJ. Donc, par exemple, le groupe d'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, la superficie de la ferme dans des enquêtes d'agriculture. Et en fait, donc on suppose que les variables X, l'âge et le sexe sont disponibles, sont recueillis pour toutes les unités dans l'échantillon. Mais également, on suppose que les totaux de ces variables-là sont connus au niveau de la population. Donc ça peut être disponible grâce au recensement ou sur la base de sondage. Donc on connaît le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans la population, ou le nombre de jeunes, de moins jeunes et de plus vieux dans la population. Le système de pondération de base, on l'a dit, il garantit l'absence de biais. C'est qu'en moyenne, pour n'importe quelle variable, l'estimation Horvitz-Thompson, en moyenne, est égale au vrai total. Mais en moyenne, pour un échantillon particulier, on peut être loin de la vraie valeur. Donc,
ce système de pondération ne garantit pas la cohérence. La cohérence qui voudrait que pour chaque échantillon, l'estimation coïncide exactement avec le total connu au niveau de la population. Si on connaît le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans la population, on voudrait que notre estimation coïncide, ce qui n'est pas garanti par la pondération de base. Donc il nous faut un système de pondération alternatif, qui est le système de pondération calé, qui est bien connu. Donc qu'est-ce que c'est que le système de pondération calé? Ben, on va appeler les poids calés WI. Là, on est toujours en absence de non-réponse. Donc pour chaque unité dans l'échantillon, on a un poids WI. Et ces poids calés, eh bien, ils vont être aussi proches que possible des poids initiaux, des poids de base. Pourquoi aussi proches que possible? Parce que les poids initiaux garantissent l'absence de biais. Donc en étant proche des poids initiaux, ben on introduit un petit biais, mais le biais n'est pas trop grand. Et en même temps, on veut que ces poids, quand on les applique aux variables pour lesquelles on connaît les totaux dans la population, eh bien on a la propriété de cohérence, c'est-à-dire que la somme des WXI, ça nous redonne la somme des XI. Alors il y a deux articles fondateurs qui ont décrit le calage. C'est l'article de Deville et Sardal, suivi par celui de Deville et Sardal et Sautori. Probablement les deux articles les plus importants dans les 30 dernières années dans l'échantillonnage. Et lorsqu'on applique ce nouveau système de pondération calé à n'importe quelle variable Y1, YP, ben on obtient l'estimateur de calage, donc la somme pondérée des YI pondérée par le poids W. Comment on développe ce poids WI? Et ça, c'est bien décrit dans Deville et Sardal 1992. Eh bien, on veut des poids calés aussi proches que possible des poids initiaux. Donc, il nous faut une mesure de proximité entre les poids calés, ceux qu'on cherche, et les poids initiaux. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de minimiser la distance entre les poids après calage et les poids initiaux. Et donc, on va minimiser la somme des distances, la somme pondérée des distances, sous les contraintes de calage. Donc c'est comme ça que Deville et Sardal ont formulé le problème du calage. La solution, elle est bien connue. Le poids de calage, en fait, il s'exprime comme le produit du poids de base fois un ajustement de calage, donc un F de lambda chapeau XI. Donc le F, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle la fonction de calage, et on va discuter de la fonction de calage dans le cas de la pondération pour la non-réponse. Donc ce facteur d'ajustement, en fait, il dépend de quoi? Eh bien, il dépend de F. Donc, différentes fonctions de calage conduisent à différents poids de calage. Okay. Mais il dépend également du XI. Donc, le facteur de calage dépend du XI, c'est-à-dire les caractéristiques de l'UTI. Donc, si XI, c'est le sexe, un homme et une femme n'auront pas les mêmes ajustements de calage, okay, dépendamment du groupe dans lequel on appartient. Et ce facteur de calage dépend aussi de ce lambda chapeau. Lambda chapeau qui peut être vu comme une mesure du déséquilibre entre les estimations de base, Orvis-Thompson, et les vrais totaux connus au niveau de la population. Donc ça nous indique à quel point notre estimation, notre pondération initiale me donne des estimations loin ou proches des vrais totaux dans la population. Alors il y a plusieurs distances. Donc là on a besoin d'une fonction de distance G. Il y a plusieurs de distances dans la littérature. Je vais en voir trois parce qu'on va les utiliser plus tard. Ce qu'on appelle la distance du quidu généralisé, elle est importante parce que c'est la méthode de base, c'est celle qui conduit à ce qu'on appelle la pondération linéaire. Donc la pondération linéaire, c'est quoi? C'est que le facteur de calage, le facteur d'ajustement de calage, ben, F de quelque chose, c'est 1 plus quelque chose. Donc F de U, c'est 1 plus U, donc c'est ce qu'on appelle la méthode linéaire. Il y a une autre fonction de distance qui, elle, qui n'est pas très importante, mais qui mène à ce qu'on appelle la méthode exponentielle. Et la méthode exponentielle, ben, F de quelque chose, c'est l'exponentielle de ce quelque chose. Donc F de U, c'est exponentielle U. Et dans certains cas, on peut vouloir, ces ajustements de calage soient bornés. Parce qu'on ne veut pas que ces ajustements de calage soient très très grands ou très très petits, puisque ça peut conduire à des poids dispersés. Et on ne veut pas de poids dispersés, parce que pour peu qu'ils soient peu liés aux variables d'intérêt, ça pourrait conduire à des estimateurs instables. Donc il y a des fonctions de distance qui permettent de borner ces ajustements de calage. Une de ces méthodes, c'est la méthode Logit. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette méthode Logit permet de borner les ajustements de calage entre une borne inférieure L et une borne supérieure M. Donc, si on regarde sur un graphique, la méthode linéaire, l'ajustement de calage, le F de U, quand on met U à l'intérieur de F, ce qui en ressort, c'est 1 plus U. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? Donc, sur l'axe des X, on a U, et sur l'axe des Y, on a F de U. Ben, 1 plus U, c'est la droite ici. Et ce que ça nous dit, c'est que quand on utilise la méthode linéaire, l'ajustement de calage peut être aussi grand qu'on veut, mais il peut être également négatif. Donc ça pourrait conduire à des poids négatifs. Mais
La méthode exponentielle, pardon, elle est toujours au-dessus de l'axe des x. Donc elle garantit des poids positifs, mais l'ajustement de calage, c'est exponentiel u. Donc ça va très très vite, ça monte très très vite. Donc si u est grand, exponentiel u, ça sera très grand, et le facteur de calage sera énorme. Et donc ça va conduire à des poids dispersés. Et la méthode Logit, elle, qui fait qu'on peut borner les ajustements de calage, eh bien c'est presque linéaire, mais ici on a les petites droites, ici c'est la borne inférieure et la borne supérieure. À un moment donné, on décide de couper et ça ne dépassera pas L et M. Okay, et ça nous permet de contrôler la dispersion des poids. Donc, en l'absence de non-réponse, on peut utiliser n'importe quelle fonction de distance, on verra comment la choisir. L'estimateur de calage qui en résulte, c'est la somme pondérée des YI, pondérée par les poids de calage. Et cet estimateur, il est asymptotiquement sans biais, quelle que soit la variable Y. Donc, si on applique ces poids à n'importe quel Y dans l'enquête, l'estimateur résultant est approximativement similaire. En moyenne, on retombe à peu près sur la bonne valeur, pourvu que la taille d'échantillon soit suffisamment grande. Une autre propriété, c'est que si les Y, si la variable qu'on essaye d'estimer est parfaitement expliquée, mais linéairement expliquée par les variables de calage, alors en fait, l'estimateur de calage, il fournit une estimation parfaite du total de la population. Autrement dit, il n'y a pas de biais et il n'y a pas de variance. Donc, on s'attend à ce que quand il y a une relation linéaire entre la variable d'intérêt et les variables de calage, et que la relation soit forte, eh bien, on n'a pas de biais puisqu'ils sont asymptotiquement sans biais, mais aussi que la variance soit assez petite, donc on a des estimateurs très efficaces. Donc, dans le cas de la méthode linéaire, si on applique la méthode linéaire, c'est que le poids de calage, c'est le poids initial fois 1 plus U, donc le lambda chapeau XI. Quand on applique ces poids aux YI dans l'échantillon, donc on obtient l'estimateur de calage suivant. Donc l'estimateur sous la méthode linéaire, c'est l'estimateur de Hurwitz-Thompson plus un ajustement. Et cet estimateur, il est essentiellement équivalent à l'estimateur par la régression généralisée ou l'estimateur Greg, qui est bien connu en échantillonnage. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que la taille d'échantillon augmente, ça c'est le Hurwitz-Thompson du total des X, et ça c'est le total des X. Eh bien, cette différence tend vers zéro. On dit plus la taille grandit, plus cette différence tend vers zéro, et on finit par obtenir le Hurwitz-Thompson qui lui est sans biais. Et ce que Deville et Sardin l'ont montré, c'est que peu importe la fonction de calage avec laquelle on démarre, si la taille est suffisamment grande, eh bien, toutes les fonctions de calage se ressemblent. Évidemment, ce n'est pas vrai à taille échantillon finie. Mais lorsque la taille est très grande, que ce soit la méthode exponentielle, la méthode linéaire ou Logit, elles conduisent toutes à peu près au même estimateur. Et cet estimateur, c'est l'estimateur linéaire. Autrement dit, toutes les fonctions de distance conduisent à l'estimateur obtenu sous la méthode linéaire. Alors la question, c'est quand il n'y a pas de non-réponse, comment choisir la fonction de calage? Il n'y a pas vraiment, c'est une question de goût. Une façon de faire, ça pourrait être, qui n'est pas déraisonnable, ça serait de commencer par la méthode linéaire. Et si la méthode linéaire fournit des poids positifs et pas de poids extrêmes, eh bien on n'a pas besoin d'aller plus loin. Si on a des poids négatifs, ben on n'a pas le choix, il faudra passer à la méthode exponentielle, par exemple. Si la méthode exponentielle fournit des poids extrêmes, ben là on passera à la méthode logique. Donc on peut commencer à complexifier au besoin, sinon on n'a pas besoin. On peut commencer avec la plus simple, c'est la méthode linéaire. Alors pourquoi est-ce qu'on cale en pratique ? Ben, le calage est construit pour garantir la cohérence entre les estimations issues de l'enquête et les totaux connus au niveau de la population. Mais souvent, ce qu'on entend dans les agences statistiques, c'est qu'on se sert du calage pour réduire les erreurs de non-réponse, par exemple, les erreurs non dues à l'échantillonnage, les erreurs de non-réponse, les erreurs de couverture. On se sert aussi du calage pour améliorer la précision des estimateurs. Alors, le point important ici, c'est vrai qu'on peut utiliser le calage pour réduire les erreurs de non-réponse. C'est vrai qu'on peut utiliser le calage pour améliorer la précision des estimateurs. Mais le calage n'est pas construit pour ça. Le calage est construit pour garantir la cohérence. C'est très facile de construire des estimateurs de calage qui sont moins précis que le Hurwitz-Thompson, qui ont une plus grande variance que le Hurwitz-Thompson. De la même manière, c'est très facile de construire des estimateurs ajustés pour la non-réponse par calage qui soient plus biaisé, qui a un biais plus grand que la moyenne des répondants, que l'estimateur ajusté. Donc, si le calage est utilisé correctement, oui, on arrivera à atteindre ces deux buts. Mais il n'est pas fait pour ça. Et on verra. Donc là, on passe à la non-réponse totale. On observe les variables d'intérêt que pour un sous-ensemble, que je vais appeler SR, de l'échantillon original S. Et dans la pratique, il y a
essentiellement deux types de pondération, deux types d'approches. La pondération en deux étapes, qui est l'approche traditionnelle dans les agences statistiques, et la pondération en une étape, qui fait l'objet de l'ouvrage de Langstrom et Sandal. Donc, chez Wiley, tout le livre est consacré à la pondération en une étape. Alors, on va commencer avec l'approche en deux étapes. Qu'est-ce que c'est l'approche en deux étapes ? Donc, déjà, il y a la non-réponse totale. On élimine les non-répondants du fichier et on va repondérer les répondants qui sont sur le fichier. Donc, l'approche en deux étapes, elle consiste à partir des poids de base, à ajuster les poids de base pour la non-réponse et ajuster ses poids une fois de plus pour garantir la cohérence par calage. Et à cette étape-là, donc les WITIL, c'est les poids corrigés pour la non-réponse, ce sont les poids initiaux divisés par la probabilité estimée de réponse. On verra comment l'obtenir. Et ici, cette étape-là, c'est vraiment pour garantir la cohérence. Donc à la première étape, ici, le but, c'est de réduire le biais de non-réponse. Et à la deuxième étape, c'est de garantir la cohérence et, si possible, éventuellement avoir des estimateurs plus stables, plus précis, avec une plus petite variance. Si possible, ce n'est pas garanti. La pondération en une étape, elle part des poids initiaux et en une étape, directement, on va aux poids finaux. Il n'y a pas d'étape intermédiaire pour corriger la non-réponse. Et dans ce cas-là, on a trois objectifs simultanés. C'est réduire la non-réponse, le biais de non-réponse, garantir la cohérence et, si possible, réduire la variance des estimateurs. Tout ça en une étape. Okay. Les premiers articles ont paru très vite après les articles de Deville et Sandal et Sautori, en fait. Il y en a un écrit par Dupont et Deville et Dupont en 1993. Et là, ça, c'est le livre de Sandal et Langstrom qui consacrent tout leur livre à la pondération, l'approche de pondération en une étape. Okay. Donc on va commencer, on va décrire un peu la pondération en deux étapes et on passera à la pondération en une étape. Donc la pondération en deux étapes, si on regarde la première étape, on développe d'abord un système de pondération ajusté pour la non-réponse. Et donc ce système-là, je vais l'appeler WITIL. Donc à chaque unité répondante, on assigne un poids WITIL qui est défini comme le poids initial fois l'inverse de la probabilité de réponse. Et cette inverse de probabilité de réponse, on l'appelle souvent le facteur d'ajustement pour la non-réponse, pour l'unité I. Comment on estime les probabilités de réponse ? Eh bien, il faut postuler un modèle de non-réponse. Donc, un modèle de non-réponse qui va lier la probabilité de réponse PI à un vecteur de variables auxiliaires. Et ces variables auxiliaires, on les demande, on exige qu'elles soient disponibles pour les répondants et les non-répondants. Donc, typiquement, les exemples de variables auxiliaires, les paradonnées, il y a eu un cours de François Laflamme hier sur les paradonnées. C'est quoi des paradonnées ? Ce sont des variables qui ont trait au processus de l'enquête. Par exemple, le nombre d'essais pour contacter un ménage, le jour de l'appel, l'heure de l'appel. Tout ça sont des variables qui sont disponibles pour toutes les unités dans l'échantillon. Et donc, qui sont souvent liées à la probabilité de réponse. Donc, ils sont souvent utiles dans le modèle de non-réponse. Il y a aussi les variables sur la base de sondage dans les enquêtes entreprises, informations géographiques, informations sur la taille des entreprises, informations sur le type d'industrie, etc. Donc, on a un poids ajusté pour la non-réponse. Si on applique ce poids à une variable Y, on obtient ce qu'on appelle l'estimateur Propensity Score Adjusted Estimator, donc PSA, que je vais appeler PSA. Donc, c'est l'estimateur ajusté, qui est la somme pondérée sur les répondants, pondérée par ce poids DI 1 sur PI chapeau. Alors, comment on fait l'estimation des PI ? Eh bien, on a deux choix. On peut faire une estimation paramétrique ou une estimation non paramétrique. Si on décide de faire une estimation paramétrique, ça repose sur des hypothèses fortes à propos de la forme, la fonction de lien, donc à propos du F qui est ici. Il y a un F, donc il faut faire des hypothèses fortes quand on fait des estimations paramétriques. Donc, par exemple, le modèle logistique. Donc, le modèle logistique, on a une fonction de lien. Et si on décide d'utiliser la fonction logistique, il faut s'assurer que c'est bien la fonction de lien est bien spécifiée. Et en pratique, les méthodes paramétriques sont presque jamais utilisées. Pour plusieurs raisons, si on fait une régression logistique pour estimer la probabilité de réponse, il n'y a aucune garantie qu'on n'aura pas des très 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 petites probabilités estimées. Si on a des probabilités estimées qui sont toutes petites, on va finir avec des facteurs d'ajustement de la non-réponse très très grands et donc à des poids très dispersés. Et donc on va finir avec des estimateurs très instables. De plus,
les méthodes paramétriques, elles sont vulnérables à la mauvaise spécification de F. Qu'est-ce qu'on obtient si ce n'est pas la fonction de lien? Et donc, en pratique, dans les agences statistiques, c'est surtout des méthodes non paramétriques. Pourquoi? Parce qu'elles reposent sur des hypothèses beaucoup moins fortes sur la fonction de lien F, et aussi parce que c'est souvent robuste à la non-inclusion de termes quadratiques, de termes cubiques. Donc, c'est des méthodes assez intéressantes. Et récemment, il y a quelques méthodes qui ont été étudiées dans la littérature. Les méthodes par noyau et par polynômes locaux, Da Silva et Jean Sommer, en 2006 et 2009. Les arbres de régression, en 2012. Et une des méthodes les plus utilisées dans les agences statistiques, c'est ce qu'on appelle la méthode des scores. Qu'est-ce que c'est la méthode des scores? Et je vais la décrire parce qu'on va s'en servir dans la simulation. La méthode des scores, elle consiste à dire, on va commencer par estimer les probabilités de réponse avec un modèle logistique. Ça peut être un autre modèle paramétrique, mais on utilise un modèle paramétrique, donc on va dire logistique. Et on va obtenir des probabilités préliminaires pi tilde. Donc, on fait la logistique, on obtient des pi tilde, on peut ordonner les pi tilde de la plus petite valeur à la plus grande valeur, et ensuite, on divise l'échantillon en classes de taille approximativement égale. Et donc, dans chacune des classes, les individus ont approximativement les mêmes pi tilde. Une fois qu'on a créé les classes, on se débarrasse des pi tilde. Et on va estimer la probabilité de réponse des unités dans une classe par le taux observé de réponse dans la classe. Et c'est ce qui va nous servir d'estimation des probabilités de réponse. Autrement dit, les pi tilde ne sont là que pour faire les classes. Et donc, cette approche, c'est une méthode qui est assez non paramétrique et qui est assez robuste à la mauvaise spécification de la méthode. Et ensuite, on fait notre pondération comme d'habitude. On prend les poids de base et on divise par le taux observé dans la classe, estimé dans la classe. Comment est-ce qu'on choisit les variables qui vont aller dans le modèle de non-réponse? On peut se dire, on fait une sélection de variables, on va sélectionner les variables qui sont liées à la probabilité de réponse. Oui, mais ce n'est pas inutile de sélectionner les variables qui sont liées à la fois à la probabilité de réponse, mais également aux variables d'intérêt. Alors bien sûr, on a beaucoup de variables d'intérêt, mais c'est bien de... Autrement dit, si une variable Z, supposons que le jour de l'appel explique très bien la probabilité de réponse, mais n'explique pas du tout les variables d'intérêt, ben, il n'y a aucune raison de l'inclure dans le modèle de non-réponse, parce qu'elle ne contribuera pas à diminuer le biais, et tout ce qu'elle peut faire, c'est faire augmenter la variance. Donc, en réalité, c'est bien, quand on modélise un non-réponse, de jamais perdre de vue les variables d'intérêt et de mettre les variables Z qui sont liées à la fois aux deux. Et si le modèle de réponse est bien spécifié, donc si on a mis les bons Z qui sont liés à la fois au P et au Z, eh bien l'estimateur PSA, donc ajusté pour la non-réponse, il est sans biais, quelle que soit la variable Y. Autrement dit, ici, on met l'emphase sur la pondération. Si le pays chapeau est une bonne estimation du pays, peu importe la variable à laquelle j'applique ce nouveau système de pondération W tilde, eh bien l'estimateur est asymptotiquement sans biais, un peu comme le Hurwitz-Thompson. Ça ne dépend pas de la variable Y. Donc ça, c'est la première étape de la pondération en deux étapes. À la deuxième étape, une fois qu'on a corrigé pour la non-réponse, maintenant il faut garantir la cohérence. Et donc on suppose, comme avant, qu'on a... par exemple, un vecteur de variable auxiliaire que j'appelle étoile parce que Langstrom et Sardal utilisent aussi le étoile, donc j'utilise la même notation. J'ai des variables auxiliaires x1 jusqu'à xj, donc le groupe d'âge essentiellement, le sexe par exemple. Et on suppose que xi étoile, donc le groupe d'âge et le sexe, est disponible pour les répondants et que les totaux de nombre d'hommes, nombre de femmes est connu au niveau de la population. Donc les tx étoiles sont connus au niveau de la population. Et l'objectif, c'est de partir des poids corrigés pour la non-réponse et de finir avec des poids finaux, WI tilde, pour les répondants, aussi proches que possible des poids initiaux, WI tilde, et de manière à garantir la cohérence entre les estimations sur les répondants et les totaux connus au niveau de la population. Et donc la différence ici, c'est que les poids initiaux, ce n'est plus les poids de base, c'est les poids ajustés pour la non-réponse. Okay. Et donc le poids final, c'est quoi pour l'unité I? Ben, c'est le poids corrigé pour la non-réponse fois un facteur d'ajustement de calage. Donc, on voit bien les poids initiaux fois l'ajustement pour la non-réponse fois l'ajustement de calage qui va garantir la cohérence. Et donc, on obtient à la fin un estimateur de calage. Donc, j'appelle TY chapeau C2, 2 pour deux étapes, qui est la somme pondérée sur les répondants des YI. Et cet estimateur,
si j'ai bien fait la correction pour la non-réponse, si l'estimateur PSA est asymptotiquement sans bi, autrement dit, si mes poids corrigés pour la non-réponse sont des bons poids corrigés pour la non-réponse, eh bien, l'estimateur par calage qui en résulte, lui aussi est asymptotiquement sans biais, quelle que soit la variable Y. Autrement dit, si on a corrigé pour la non-réponse et qu'on a réduit le biais, le calage n'introduit pas de biais. Il va garantir la cohérence, éventuellement réduire la variance, mais n'introduira pas de biais. Donc, dans le cas de la méthode linéaire, et donc on fait un calage, on fait un calage en deux étapes, on ajuste pour la non-réponse et on utilise la méthode linéaire après pour obtenir mes poids finaux. Eh bien, c'est quoi l'estimateur de calage ? C'est l'estimateur de base, c'est-à-dire l'estimateur ajusté pour la non-réponse, plus un ajustement. Et cet ajustement, en fait, comme j'ai la bonne pondération, eh bien, mon estimation des X, donc là, j'ai la bonne pondération, donc quand je l'applique à n'importe quelle variable, et en particulier les X, eh bien, cette quantité-là va converger vers les vrais totaux, et cette différence va tendre vers zéro, et on retombe bien sur le PSA, qui, lui, est asymptotiquement sans biais pour quel que soit le Y. Donc ici, on a un estimateur de calage, un peu comme on a obtenu quand on a fait quand il n'y avait pas de non-réponse. Simplement, les poids initiaux ne sont pas les DI, mais sont les WI tilde. Comment choisir la fonction de calage dans une approche en deux étapes ? Ben, ce n'est pas différent de quand il n'y a pas de non-réponse. C'est-à-dire, on commence par la méthode linéaire. S'il n'y a pas de poids négatif et qu'il n'y a pas de poids extrême, ben, on peut s'arrêter là. Sinon, on passe à la méthode exponentielle. S'il y a des poids extrêmes, ben, on passe à la méthode logique. Mais là, dans une approche à deux étapes, le choix de la fonction de calage se fait essentiellement de la même manière qu'on a fait quand il n'y avait pas de non-réponse. Ce qui ne sera pas le cas dans la pondération d'une étape, on va le voir. Donc voilà, ça c'était la pondération en deux étapes. Maintenant, la pondération d'une étape. Donc là, on part des poids de base, DI, et directement on passe aux poids finaux en une étape. Et dans leur article, Langstrom et Sardal, en fait, ils mentionnent « No explicit response model is needed in contrast of the conventional methods ». Ce qu'ils disent essentiellement, c'est l'avantage de la pondération d'une étape, c'est qu'on n'a pas besoin d'estimer les probabilités de réponse. On n'a pas besoin d'estimer explicitement les probabilités de réponse, contrairement à l'approche en deux étapes, l'approche conventionnelle. Okay. Mais la question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut réellement faire l'économie de l'estimation des probabilités de réponse ? Et ce qu'on va voir avec des simulations, c'est que la réponse, en général, c'est non. Si on ne modélise pas les probabilités de réponse, même dans une approche en une étape, eh bien, on risque de finir avec des estimateurs qui sont biaisés, et même, des fois, avec un biais plus grand que la moyenne des répondants, c'est-à-dire l'estimateur qui n'est pas ajusté. On va le voir. Donc, dans l'approche en une étape, on fait tout en une étape. Langstrom et Sardal distinguent deux niveaux d'informations auxiliaires. Comme avant, j'ai les XI étoiles, donc le groupe d'âge et le sexe, dont je connais les totaux au niveau de la population, et qui vont me garantir la cohérence au niveau de la population. Et ensuite, ils considèrent un autre ensemble de variables auxiliaires qui, elles, ne sont disponibles que pour les gens dans l'échantillon, donc typiquement les paradonnées. Donc l'heure de l'appel ou le jour de l'appel ou le nombre d'essais pour contacter un ménage, on ne l'a que pour les gens dans l'échantillon. On n'a pas le total au niveau de la population. Okay. Donc ces variables-là sont disponibles pour tout l'échantillon et tout ce qu'on connaît de ces variables-là, c'est, puisqu'elles sont disponibles pour tout l'échantillon, on connaît le total estimé de type Horvitz-Thompson okay, pour ces variables-là. Alors que pour les X étoiles, on connaît le total au niveau de la population. Donc voilà, les XI étoiles, comme d'habitude, c'est les variables garantissant la cohérence, groupe d'âge et sexe. Et les XI lunes, donc ce qu'on appelle les XI lunes, ce sont les variables qu'on a au niveau de l'échantillon. Et habituellement, ce sont celles qui vont être liées à la non-réponse. Habituellement, on les choisit de manière à ce qu'elles soient liées à la non-réponse. Et par exemple, les paradonnées ou d'autres variables. Donc, pour Monsieur I qui est un répondant, qu'est-ce que j'ai ? Ben, j'ai le groupe d'âge et j'ai le sexe, mais j'ai également les paradonnées. Donc j'ai un grand vecteur d'informations auxiliaires pour les répondants. Donc je mets tout ça dans un seul vecteur que j'appelle X. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire en une seule étape ? On va partir des poids initiaux DI et on va trouver des poids finaux WI aussi proches que possible des poids initiaux de manière à satisfaire les équations de calage. Alors qu'est-ce que c'est que ces totaux de contrôle ? Ben, pour les X étoiles, je connais le total au niveau de la population. Et pour le XI lune, je n'ai pas le total au niveau de la population, mais j'ai le total estimé au niveau du gros échantillon. Donc je vais caler sur ces estimations connues au niveau du gros échantillon. Et donc essentiellement, on fait ça en une étape, un calage en une étape, et on aboutit à des poids de calage qui sont les poids initiaux fois le facteur de calage. Et remarquez qu'il n'y a pas de correction intermédiaire pour la non-réponse.
Tout est là-dedans. C'est-à-dire, ce facteur de calage, il est censé réduire le biais de non-réponse et garantir la cohérence et peut-être même réduire la variance dans des cas optimaux. Et donc, l'estimateur de calage en une étape, donc T chapeau YC1, ben, c'est la somme pondérée des YI pondérée par ce poids qu'on a obtenu. Et là, je veux revenir à la discussion. On va supposer pour l'instant qu'il n'y a pas de X étoile. Donc, je n'ai pas d'information connue au niveau de la population. Okay. J'ai juste l'information connue au niveau de l'échantillon au complet. Okay. Si j'avais fait une approche en deux étapes, la première étape de l'approche en deux étapes, c'est obtenir des poids ajustés en multipliant les poids initiaux par l'inverse de la probabilité estimée. Si je fais une approche par calage, j'obtiens une estimation qui est le poids initiaux fois le facteur de calage. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que si j'estime correctement la probabilité de réponse, eh bien, peu importe la variable Y à laquelle j'applique ce système de pondération, j'ai un estimateur qui est asymptotiquement sans biais. Donc cet estimateur est asymptotiquement sans biais, quelle que soit la variable Y. Et on peut se poser la question, et cet estimateur, est-ce qu'il est sans biais, quelle que soit la variable Y ? Ben, pour qu'il soit sans biais, quelle que soit la variable Y, quand on compare, en fait, la différence, c'est qu'on a 1 sur PI chapeau ici et qu'on a un F de lambda chapeau ici. Eh bien, cet estimateur, il va être sans biais, quelle que soit la variable Y, si F de lambda chapeau XI, en fait, c'est une estimation, c'est la probabilité estimée inverse de l'unité I. Et là, c'est intéressant parce que maintenant, on voit que si on veut que l'estimateur de calage soit sans biais, peu importe le Y, il faut que la fonction de calage soit choisie de manière à redonner l'estimation des probabilités de réponse. Et donc, on ne peut plus choisir la fonction de calage n'importe comment, comme avant, en regardant juste s'il y a des poids négatifs, des poids extrêmes, etc. Donc là, il faut vraiment... Et donc, si on regarde un peu plus attentivement cette estimation, cet estimateur de calage en une étape, et qu'on regarde son biais, donc biais de non-réponse, on peut approximer le biais par cette somme-là. Et cette somme-là est intéressante parce qu'il y a deux morceaux. Donc c'est la somme sur la population... des 1 moins PI FI. Alors, FI, en fait, c'est juste un diminutif pour le facteur de calage habituel. C'est juste, ça prenait moins de place, donc j'ai mis FI, mais c'est vraiment le F de lambda XI. Et ici, on a des résidus d'un modèle linéaire. Et on peut se dire, on peut se demander, mais quand on fait une pondération en une étape, quand est-ce que l'estimateur est sans biais ? Ben, ou approximativement sans biais. Donc, on a deux morceaux. Si le modèle est linéaire, si le modèle qui lie Y à X est linéaire, eh bien, l'estimateur par calage sera asymptotiquement sans biais, peu importe la fonction de calage que je vais utiliser. C'est garanti par ce morceau ici. Mais de supposer qu'il y a un modèle linéaire entre tous les Y de l'enquête et les variables de calage, c'est irréaliste. Dans les enquêtes, on a plein de variables catégorielles pour lesquelles le modèle linéaire n'est pas adéquat. Et donc, si on n'a pas un modèle linéaire, on peut être sauvé par ce morceau-là, 1 moins PI FI. Ce morceau-là va être égal à 0 lorsque PI FI va être égal à 1, ou encore lorsque FI, c'est PI moins 1. Et donc, on voit bien que la fonction de calage, l'ajustement de calage, il doit refléter l'inverse de la probabilité de réponse. Et si le choix de la fonction de calage est fait de manière à ce que c'est égal à l'inverse de la probabilité de réponse, eh bien, ce terme-là est égal à 0, peu importe le Y. Donc, quel que soit Y, si j'ai bien fait ça, donc j'ai la bonne pondération, ben, quel que soit le Y, j'ai un estimateur asymptotiquement sans biais. Donc, regardons ce que ça veut dire, cette condition FI égale à PI moins 1. Supposons qu'on choisisse de faire un calage linéaire. Donc, linéaire, c'est-à-dire que l'ajustement de calage, F de U, c'est 1 plus U. Donc, en fait, quand on utilise la méthode linéaire, implicitement, on est en train de postuler un modèle de non-réponse. On est en train de dire que l'inverse de la probabilité de réponse est linéairement relié aux X. Si ce n'est pas le cas, on aura des biais. Je vous montrerai ça dans... Supposons qu'on utilise la méthode exponentielle. On fait un calage de méthode exponentielle. Donc F de U, c'est E à la puissance U. Donc en utilisant ça, on postule un modèle implicite qui est que l'inverse de la probabilité de réponse, c'est E à la puissance, c'est exponentielle de lambda XI. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, quand on fait une pondération en une étape et qu'on choisit une fonction de calage,
On est en train de dire quelque chose de fort à propos du lien qui existe entre l'inverse de la probabilité de réponse et les X. Et ce qui n'est pas le cas pour l'approche en deux étapes. Et donc la question, c'est supposons que je fais un calage linéaire, mais qu'en réalité, le lien entre les pays et les X, c'est un modèle logistique. Donc ce n'est pas inverse linéaire. Ben, qu'est-ce qu'on obtient ? C'est quoi les propriétés de l'estimateur ? Et là, je vais montrer les résultats d'une étude par simulation qui va montrer que un mauvais choix de fonction va conduire à des estimateurs qui sont biaisés. Donc là, ce qu'on a fait, on a généré une population de taille 1000 avec 4 variables d'intérêt. Donc on a une enquête essentiellement avec 4 variables d'intérêt et une variable auxiliaire. Donc une variable X bon, qui a été générée sur une loi uniforme. Et on a généré, à partir de X, 4 variables, Y1, Y2, Y3, Y4, avec différents liens entre les Y et les X. Essentiellement, voici les photos. Donc la variable Y1 est linéairement reliée à X, relation assez forte. Y2, c'est un lien exponentiel. Y3, c'est une variable 0,1. Donc c'est une variable 0,1. On a un job ou on n'a pas de job, par exemple. Et Y4 avec X, c'est un lien quadratique. Okay. Donc voilà 4 liens différents. J'ai une enquête avec 4 variables qui ont ces liens avec X. Et ce qu'on a fait, c'est que, parce qu'on s'intéressait qu'à la non-réponse, on n'a pas voulu prendre d'échantillon, on veut juste mettre l'accent sur l'erreur de non-réponse. Donc en fait, on a créé 5000 recensements, et directement dans les recensements, on a créé la non-réponse. Okay. Et la taille de l'échantillon, c'est la taille de la population, ce qui est égal à 1000. Comment on a généré la non-réponse ? Selon 4 mécanismes de réponse. Donc on a 4 variables d'intérêt, et on a généré la non-réponse à l'enquête selon 4 mécanismes. Inverse linéaire, donc les pays inverses sont linéairement reliés aux X, exponentielle, logistique, qui est souvent le cas, et quadratique. Donc si on regarde le lien entre P1 et X, ça c'est le lien entre X et la probabilité de réponse dans le cas inverse linéaire, dans le cas exponentiel, dans le cas logistique et dans le cas quadratique. Donc pour résumer, on a des X, la variable X est liée à la fois à Y et à la probabilité de réponse. Donc évidemment, il faudra l'incorporer quelque part dans le traitement de nos réponses. Sinon, il y aura des biais. Donc l'objectif ici, c'est d'estimer les 4 totaux de la population. Donc on a T1, T2, T3, T4. Et on a calculé 3 estimateurs. Le premier, c'est l'estimateur non ajusté, essentiellement la moyenne des répondants, multipliée par la taille de la population. Et donc là, on n'utilise pas d'informations auxiliaires. Le X n'est pas incorporé, donc c'est l'estimateur de base. Ensuite, l'estimateur par calage en une étape, le poids, c'est DI fois le facteur de calage. Donc il n'y a pas de correction pour la non-réponse par l'inverse de la probabilité de réponse. C'est directement du calage. Et on a utilisé plusieurs moyens de calage, je vais vous montrer dans les résultats. Et donc sur quoi on a calé ? Sur la taille de la population et sur le total des X. Et finalement, un troisième estimateur, l'estimateur PSA, lui qui est obtenu en estimant les probabilités de réponse. Et comme on a estimé les probabilités de réponse, donc ça c'est l'approche en deux étapes, mais on n'a fait qu'une seule étape puisqu'on n'a pas d'échantillon on n'a pas sélection d'échantillon, on crée directement la non-réponse à partir du recensement. Donc il n'y a qu'une seule étape. Et comme on a estimé les probabilités de réponse, au moyen de la méthode des scores avec 20 classes. Donc une méthode non paramétrique. Pour chaque estimateur, on a calculé le biais Monte Carlo, donc la moyenne sur les 5000 itérations moins la vraie valeur sur la vraie valeur multipliée par 100, donc en pourcentage. Et comme mesure de stabilité, l'erreur quadratique moyenne relative en racine carrée, donc ça c'est la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne divisée par le total. Donc s'il n'y a pas de biais, c'est essentiellement le CV de l'estimateur, le coefficient de variation de l'estimateur. Alors voilà les résultats. J'ai 4 tableaux. Chacun des tableaux, on a utilisé 4 mécanismes de non-réponse pour générer la non-réponse. 50% de taux de réponse global dans tous les cas. Donc le premier tableau, ça correspond au mécanisme de non-réponse inverse linéaire, exponentiel, logistique, quadratique. Okay, je vais regarder chacun des tableaux séparément. Commençons par la variable Y1. Y1, c'est la variable qui est linéairement liée à X. Donc c'est celle-là. Donc là, il y a un lien linéaire. Okay. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient ? Bon, déjà, ça, c'est l'estimateur non ajusté. Donc l'estimateur non ajusté est biaisé, évidemment, c'est la moyenne des répondants fois n. On n'a pas utilisé d'informations auxiliaires, il y a un biais de non-réponse, on s'attendait à ça, il n'y a pas de surprise.
Maintenant, on a ces trois estimateurs, c'est quoi ? C'est l'estimateur par calage, une étape, avec différentes méthodes de calage. La méthode linéaire, la méthode exponentielle, la méthode logique. Et ça, c'est l'estimateur PSA, où les probabilités sont estimées au moyen de 20 classes. Si on regarde Y1, donc relation linéaire, le biais est essentiellement zéro pour n'importe quelle fonction de calage. Donc les estimateurs de calage sont tous asymptotiquement sans biais. Le PSA est aussi asymptotiquement sans biais, un peu moins efficace. Mais ça, et donc là, c'est le cas où on a généré la non-réponse selon inverse linéaire. Mais c'est vrai aussi quand c'est exponentiel, 0, 0, 0. C'est vrai quand c'est logistique, enfin 0,3%, c'est minuscule, donc 0,3, 0,2, donc essentiellement 0, c'est vrai aussi. Et c'est encore vrai pour P. Donc autrement dit, peu importe la manière dont on génère la non-réponse, qu'est-ce qui nous sauve ici ? Pourquoi on est sans billet, peu importe la fonction de calage ? Ben, c'est cette partie-là dans l'expression du billet. C'est que quand il y a un modèle linéaire, eh bien, le billet est égal à 0, peu importe la fonction de calage. Maintenant, on passe aux autres variables, Y2, Y3, Y4, qui ne sont pas liées de façon linéaire. Y2, c'est exponentiel, logistique et quadratique. Alors, si on regarde... Donc ici, le PI a été généré selon inverse linéaire. Donc autrement dit, cette fonction-là, quand je fais du calage linéaire, c'est la bonne fonction, puisque le FI, c'est le PI inverse. Donc si le PI inverse est linéaire, ben, la méthode linéaire est appropriée. Et donc il n'y a aucune surprise ici qu'on ait 0, 0, 0, puisqu'on a la bonne fonction de calage. Donc ça ici, on a 0, 0, 0, parce que ce terme-là est égal à 0, parce que le FI, c'est PI moins 1. Restent les autres cas. Alors ça, c'est les cas où on a la mauvaise fonction de calage, exponentielle, alors qu'en fait, c'est inverse linéaire. Ou bien logique, alors que c'est inverse linéaire. Et là, on voit qu'il y a des billets qui commencent à apparaître. Et donc voilà, il y a des billets. Et quand on compare au PSA, ben le PSA, lui, donc, quand on fait du non paramétrique, il est asymptotiquement sans biais et beaucoup plus efficace. Donc, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est l'erreur quadratique moyenne. Donc, une erreur quadratique moyenne relative, beaucoup plus petite avec le PSA, qu'avec les estimateurs de calage ici qui sont biaisés. Okay. Donc on voit maintenant qu'il y a des biais quand on n'a pas la bonne fonction de calage. Si on prend si on a généré la non-réponse selon une probabilité exponentielle, eh bien maintenant, c'est quoi la bonne fonction de calage ? C'est la méthode exponentielle, puisque c'est l'inverse de la probabilité de réponse. Et là, on voit dans la méthode exponentielle, 0, 0, 0, 0, pas de surprise, on a la bonne fonction de calage. Par contre, quand on utilise la méthode linéaire, eh bien là, il y a des billets, moins 4, 2. Bon, ici, la logique, elle n'est pas si mal, 0,7, 0,6. Et le PSA, toujours bien, est toujours le plus efficace en termes de MSE, probablement parce que le PSA consiste à faire des classes et que tous les individus dans la même classe ont la même probabilité de réponse estimée. Donc, c'est une façon de lisser les poids et donc probablement ce qui contribue à réduire la variance. Maintenant, on passe à logistique. À la probabilité logistique. Et là, aucune de ces fonctions n'est la bonne traduction d'un mécanisme de non-réponse logistique. La logique, alors là, on pourrait dire, mais la logique, c'est pas lié à la logistique. Non, c'est pas la bonne fonction. C'est le nom qui est un peu trompeur, logique et logistique, mais c'est pas la bonne fonction. Et on voit que, ici, on voit tous les estimateurs sont biaisés. Alors, peut-être certains un peu plus que d'autres, mais il y a des biais. Contrairement au PSA qui est sans biais. Et donc on voit ici qu'on n'a pas de bonne fonction de calage et que donc il y a des biais qui peuvent être plus ou moins importants. Et c'est la même chose quand on génère la probabilité selon une forme quadratique. Alors là, dans la forme quadratique, on a des biais moins 19, moins 19, moins 19. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la moyenne des répondants ici et ici, donc l'estimateur non ajusté, a un biais plus petit que les estimateurs ajustés par calage, en valeur absolue. Alors qu'on est à moins 19, moins 19, ici moins 8, moins 0,5, moins 11, moins 11, moins 11. Alors que l'estimateur PSA, lui, il est toujours bien, puisque lui ne fait pas d'hypothèse sur la forme de la fonction. Donc voilà, donc ces exemples-là montrent qu'un mauvais choix de fonction de calage dans un contexte de pondération en une étape, ben, ça peut mener à des estimateurs qui sont biaisés. Et donc, on revient à la question qu'on a posée initialement, est-ce qu'on peut faire l'économie d'une modélisation des probabilités de réponse lorsqu'on fait une pondération à une étape? Et la réponse, en général, c'est non. La fonction de calage doit être choisie de manière appropriée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Il faut modéliser les probabilités de réponse.
Et là, on peut se poser la question, mais si on modélise les probabilités de réponse, ben pourquoi ne pas faire l'approche en deux étapes? Donc on n'a pas réellement un avantage de faire l'approche en une étape parce qu'elle peut conduire à des estimateurs qui sont biaisés si j'ai le mauvais choix de la fonction de calage. Donc en général, le choix de la fonction de calage est important. Il y a une exception, il y a des exceptions, il y en a une en particulier, et probablement que Langstroth et Sandahl dans les pays scandinaves, ben, ils ont souvent ce cas-là. C'est le cas d'une post-stratification. On imagine qu'on a plein de variables catégorielles. Alors eux, ils ont ça pour toute la population dans les pays scandinaves. Ils ont des bases de sondage avec plein d'informations auxiliaires. Et qu'on croise ces variables catégorielles. Donc là, ça donne naissance à plein de cellules. Et donc, essentiellement, c'est équivalent à la post-stratification. Il s'avère que quand on fait une post-stratification, le choix de la fonction de calage n'est pas important. Et donc, dans ce cas-là, quand on fait une post-stratification, eh ben, le choix n'est pas important. C'est un cas où, finalement, prendre n'importe quelle fonction de calage va mener à des estimateurs identiques, en réalité, des poids identiques. C'est une exception. Mais au Canada, aux États-Unis ou en France, on n'a pas d'information très, très riche, etc. Ben là, le choix de la fonction de calage peut devenir un problème. Et d'ailleurs, c'est cohérent. Il y a une remarque dans le livre de Sandahl, Langstroth et Sandahl, qui dit finalement, ben, quand il suggère que quand on a des variables même continues, des x continues dans le modèle de non-réponse, eh bien qu'on crée des catégories. Parce que pour eux, ben, ce n'est pas une mauvaise idée de croiser. Évidemment, parce que dans ce cas-là, le choix de la fonction de calage n'est pas important. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Donc, comparaison de la pondération en deux étapes et en une étape. Avantage de la pondération en deux étapes. Alors ça, c'est personnel, ça, les gens peuvent être plus ou moins d'accord, ça, c'est parfaitement personnel. Moi, je pense que la pondération d'étapes est plus attrayante parce qu'elle permet de séparer les deux étapes, de bien mesurer l'impact de la non-réponse et de bien mesurer l'impact du calage sur les pondérations. Okay. On peut utiliser des méthodes non paramétriques pour estimer les probabilités de réponse, ce qui nous rend robuste à la mauvaise spécification de la méthode. Évidemment, le désavantage par rapport à l'approche en une étape, qui est plus simple, c'est que c'est plus complexe à implanter. Il y a deux étapes différentes, donc c'est évidemment plus lourd à implanter. La pondération en une étape, il y a le désavantage pour moi, c'est que le choix de la fonction de calage est un peu caché. En pratique, on voit souvent les gens disent « bon, ben, je vais faire une pondération linéaire ou exponentielle sans regarder si c'est vraiment la bonne fonction de calage ». Et là, on a vu, ben, ça peut donner des biais. Et aussi, elle ne permet pas, comme tout est fait en une étape, on passe des points initiaux aux points finaux, ben, tout est mélangé, la pondération pour la non-réponse, la pondération pour la cohérence, etc. etc. Donc, c'est un peu une boîte noire, on n'arrive pas à séparer l'analyse de l'impact de la non-réponse et l'analyse de l'impact du calage. Donc voilà, mais c'est personnel, après on peut un peu argumenter. Et je terminerai deux minutes par une petite discussion, en fait c'est une bande-annonce pour la présentation d'Éric Lesage sur le calage généralisé. Il y a une version plus sophistiquée de la pondération d'une étape qui s'appelle le calage généralisé ou le calage à variable instrumentale. Ça a été étudié beaucoup, beaucoup, ça a commencé avec Jean-Claude Deville en 1998, mais ça a été très, très étudié dans la littérature. L'idée c'est quoi? On a des variables XI étoiles comme d'habitude pour garantir la cohérence, groupe d'âge et sexe, dont on connaît les totaux au niveau de la population. Et en plus, on connaît un vecteur que j'appelle VI de variable instrumentale qui n'est disponible que pour les répondants. Ça, c'est la clé. Alors, pour les gens en économétrie, c'est un peu bizarre parce qu'en réalité, en économétrie, c'est les X qui sont appelés variables instrumentales et pas les V. Mais en échantillonnage, on a renversé, donc je reste cohérent avec l'échantillonnage. Mais en économétrie, ça serait le contraire. Okay. Les variables instrumentales, les X, ça sera appelé les variables instrumentales, et les V, ce ne seraient pas les variables instrumentales. Mais c'est comme ça. Et donc, les V, en fait, on ne les exige que pour les répondants. Donc, les V, ça peut être des variables d'intérêt. Par exemple, ça peut être les variables qu'on a observées pour les répondants dans les enquêtes. Donc, qu'est-ce que c'est le vecteur V de variables instrumentales? Ben, c'est les variables dont on pense qu'elles sont liées à la probabilité de réponse. Et donc le grand avantage, c'est qu'elles n'ont besoin d'être disponibles que pour les répondants. Donc par exemple, si on pense que la probabilité de réponse est reliée au revenu et qu'on a recueilli le revenu, eh bien on peut mettre dans le calage, on peut caler sur le revenu, enfin utiliser le revenu, la variable d'intérêt dans le calage.
Et donc les poids calés, ben, c'est les mêmes que d'habitude, pondération en une étape, sauf qu'ici on a les variables instrumentales plutôt que les XI qu'on avait avant. Et l'estimateur de calage, ben, c'est l'estimateur habituel, donc la somme pondérée des YI. Bon, ça c'est pas très important, mais le calage généralisé, il a été étudié beaucoup, en fait il présente plusieurs problèmes potentiels. Le premier, c'est comment je choisis les variables instrumentales ? Comment je sais que la probabilité est liée au revenu, alors que le revenu, je ne l'ai observé que pour les répondants ? Okay. Alors, on pourrait se dire, ben, on sait, des études ont montré que les variables... Donc, on pourrait se dire, on a besoin de méta-informations qui diraient, ben, voilà, on sait que le revenu est lié à la probabilité de réponse. Très bien, prenons le revenu. Mais ce qu'on a vu avant, c'est que le choix de la fonction de calage est important. Comment est-ce qu'on va valider le choix de la fonction alors que la variable n'est disponible que pour les répondants? Quand elle est disponible pour les unités répondantes et non répondantes, il y a moyen de valider la forme de la fonction et d'utiliser la bonne forme de la fonction de calage. Mais là, je n'ai que pour les répondants. Donc, il y a une question à se poser. Peut-être que quelqu'un pourra y arriver. Aujourd'hui, on ne sait pas trop faire comment valider le modèle. Et finalement, supposons que j'ai choisi les bonnes variables instrumentales. Supposons que j'ai la bonne fonction de calage. Le problème n'est toujours pas fini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des hypothèses, hypothèses supplémentaires qui sont bien connues en économétrie. Alors, d'autres feuilles en particulier a écrit là-dessus, qui s'appellent des hypothèses de restriction exclusion conditions. Okay. Je ne vais pas décrire ces hypothèses, Eric Lesage pourra les décrire plus important. Mais ce sont des hypothèses qui sont similaires, mais pas identiques, à l'hypothèse missing at random qu'on retrouve dans les données manquantes. Okay, et qui sont extrêmement difficiles à vérifier. Et si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, l'estimateur, par calage généralisé, il peut souffrir d'un biais très très important. Ça a été étudié dans la littérature épidémiologique. On appelle ça l'amplification du biais. Donc le biais, il peut partir complètement en vrille ces hypothèses ne sont pas satisfaites. Même si les hypothèses sont satisfaites, l'estimateur par calage peut souffrir d'une variance considérable. Et ça a été montré, par exemple, dans une étude empirique de Hozier en 2012, qu'il y a des cas où la variance de l'estimateur par calage généralisé peut être très grand. Donc le résumé, c'est quoi ? C'est qu'il y a des cas où le calage généralisé est miraculeux. La probabilité de réponse peut dépendre de la variable Y, c'est le pire cas. Et on peut avoir un estimateur par calage généralisé qui a un biais de zéro, presque zéro. Sauf que pour y arriver, il y a tout un tas d'hypothèses, donc les bonnes variables instrumentales, la bonne fonction de calage. Et il faut vérifier ces hypothèses que Eric Lesage décrira plus en détail. Et ces hypothèses-là sont très compliquées. On ne sait pas comment savoir qu'elles sont valides ou pas valides. Qui fait que la morale de l'histoire, c'est que l'estimateur, le calage généralisé, c'est très risqué. Et ce qu'on a vu dans les simulations, c'est qu'on peut avoir des biais et ou des variances considérables. Même si dans certains cas, c'est miraculeux et ça marche, même quand la probabilité dépend de Y. Mais c'est tellement restrictif que ça reste très très dangereux à utiliser. Donc il faut vraiment le faire avec soin. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup David pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors d'abord c'était Pierre. Merci Corentin. Merci David, ta clairvoyance, mais t'en auras toujours. T'as failli me rendre nerveux, parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans les enquêtes longitudinales, on se rend compte que, bon, on estime les probabilités de réponse. En général, il y avait des trucs qui avaient été faits par Eric Graff, entre autres, en Suisse. Puis on se rendait compte que pour la correspondance à la non-réponse, dans les enquêtes longitudinales, il faut estimer les probabilités de réponse, tout ça. Et par la suite, on faisait le calage. Et du coup, le calage faisait un bulldozer par-dessus tout et il nivelait le machin. Donc, et l'effet de mauvaise ou bonne estimation des probabilités de réponse, à la fin, on s'en foutait un peu et ça, tout fonctionnait, même si on avait mal fait le boulot au début. Puis là, tu présentes un truc comme ça, tu nous dis qu'il y a des biais, tout ça, puis là, je ne comprends plus rien. Puis là, finalement, je comprends parce que tu me dis quelque chose qui est vraiment formidable, c'est que tu dis que si on fait des calages, en fait, une forme de post-stratification, que finalement, le modèle n'a plus d'importance, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas.
c'est que, par exemple, si on parle des enquêtes au Canada, la plupart des variables de calage, c'est des groupes à sexe par région, par exemple. Donc, on parle d'effectifs, donc on parle d'une bête post-stratification, bon, qui est un calage, en fait, mais donc qui se fait là-dessus. Donc, finalement, le message, puis tu pourras peut-être confirmer, c'est que si on cale sur des variables catégorielles, à la fin, on est à peu près prémuni d'un paquet de problèmes qui pourraient arriver. Et du coup, si on cale sur des variables quantitatives, ben là, attention, et là, c'est là qu'il faut peut-être procéder plus en deux étapes qu'en une étape. Oui, alors au Canada, par contre, dans la plus, alors je sais pas, peut-être que ça a changé, mais c'est surtout l'approche en deux étapes que utilisait. À StatCan, je connais pas beaucoup d'enquêtes qui utilisent. Dans ce cas-là, si on modélise bien la probabilité de réponse, la fonction de calage, elle a pas d'importance. On est en deux étapes. C'est quand on fait en une étape que ça a d'importance. À moins d'avoir une post-stratification. Il y a peut-être d'autres cas exceptionnels, mais si on a la post-stratification, là, on est protégé contre le mauvais choix de la fonction. Maintenant, tu vois, au Canada, par exemple, il y a beaucoup d'enquêtes où on fait du raking ratio, et non pas de la post-stratification, du calage sur marge. Ben, dans ce cas-là, on n'est pas si protégé que ça. C'est vraiment quand c'est une post-stratification complète. Donc là, il peut y avoir des dangers. Bon, David, je voulais te remercier pour ce magnifique exposé synthétique sur toute la mécanique mathématique des sondages. C'était très complet, donc j'ai eu grand plaisir à écouter ça. Je vais faire une intervention, deux remarques, disons ça. Je t'inviterai à réagir là-dessus, mais c'est pour dire, est-ce que finalement la mécanique mathématique que nous statisticiens nous mettons en place, est-ce que finalement elle apporte en elle-même les connaissances suffisantes pour pouvoir éviter les biais d'estimation ou les grosses variances. Et tu as prononcé seulement à la fin un mot qui est quand même très important, le mot hypothèse est venu assez tardivement. Et est-ce que les hypothèses, c'est seulement du domaine du mathématicien ou est-ce que les hypothèses sont celles d'autres disciplines ? Sommes-nous dans un espace monodisciplinaire ou pluridisciplinaire. Et quand tu disais que, par exemple, il fallait avoir les bonnes variables qui soient bien corrélées à la non-réponse et bien corrélées à la variable d'estimation, eh bien, cette hypothèse qu'on a les bonnes variables, elle relève de quelle discipline ? Et je vais prendre deux exemples pour lesquels il y a des biais tout à fait importants qui peuvent intervenir, estimation des revenus, estimation dans les sondages politiques. Bon, est-ce qu'on va avoir les bonnes variables ? Ben, pour l'estimation des revenus, c'est la fraude fiscale. Est-ce qu'on a les informations de base sur la fraude fiscale ? Ben, je ne crois pas. Et donc finalement, les bonnes hypothèses seront de l'ordre de l'économiste ou du sociologue ou du politologue et pas de l'ordre du statisticien. Et donc, ceci est quand même important à voir parce que dans nos instituts de statistique, en particulier en France, eh bien, on a une formation un peu monodisciplinaire autour de la statistique. On n'a pas de sociologue vraiment dans ce domaine-là. Donc, est-ce qu'on a vraiment toutes les connaissances pour ça ? Voilà. Est-ce qu'on a mobilisé tout ce qu'il fallait autour de ça ? Second point qui serait peut-être un appel pour, j'allais dire, pour la prochaine conférence inaugurale à Québec de 2016, un élément qui n'a pas du tout été évoqué et qui prend son importance de plus en plus grande avec le nouveau cadre statistique qui se présente, ce sont les erreurs de couverture. Quand tu évoquais les variables auxiliaires si nombreuses qu'il pouvait y avoir dans les pays scandinaves, eh bien c'est qu'effectivement, avec tous leurs fichiers administratifs, ils savent tout sur tout le monde là-dedans et donc ils peuvent faire des choses absolument magnifiques. Prenons le cas maintenant de toutes les enquêtes qui se développent par Internet, avec finalement uniquement les gens liés sur Internet qui peuvent répondre aux enquêtes, donc une erreur de couverture qui peut être forte. Eh bien, nos statisticiens, nous avons à nous dire, est-ce que finalement, quand on n'est pas dans le cadre que tu as présenté, où il y a une partie de la population qui a une probabilité zéro d'être enquêtée, est-ce qu'on a des chances d'aboutir à des bonnes estimations ? Et ça, avec finalement toutes les,
toutes les mégadonnées, les données massives à partir desquelles des tas d'estimations vont être faites, eh bien, c'est vraiment nos interrogations les plus fortes qui vont se présenter maintenant. Est-ce qu'on a des chances d'obtenir des estimations sans biais? Alors, je prends l'exemple des enquêtes par Internet et je m'arrête dans un instant. Oui. Dans les enquêtes par Internet, eh bien, les résultats des enquêtes du CREDOC montraient que ça va très bien, sauf si on étudie quelque chose qui est en rapport avec la modernité. Donc on voit que ce sont des hypothèses sociologiques qu'il y a derrière. Alors ça, c'est l'enjeu qu'on va avoir dans les prochaines années, et il faudra qu'on ne soit pas simplement dans la mécanique statistique sur ce point-là. Excusez-moi si j'étais là. Alors, la première réponse, je vais commencer par la fin. Les heures de couverture. Oui, alors ça, les heures de couverture sont importantes. Alors étonnamment, les techniques pour réduire les heures de couverture ne sont pas très différentes des techniques. Donc souvent, c'est du calage qui est utilisé. On peut estimer aussi les probabilités d'appartenir à la partie couverte ou pas. Mais évidemment, elles reposent, comme pour la réponse, sur de l'information auxiliaire. Alors, est-ce qu'on en a ou on n'en a pas? Il y a des modèles très forts derrière les modèles pour les erreurs de couverture, peut-être même plus forts que ceux pour les modèles de non-réponse. Donc, évidemment, ici, j'ai présenté un cadre idéal. Dans la vraie vie, ce n'est pas idéal. Dans la vraie vie, il est utopique de penser qu'on aura réduit les biais à zéro. Il est utopique de penser qu'on aura toutes les variables auxiliaires. Voilà. Mais notre approche comme méthodologiste, c'est de dire j'ai de l'information auxiliaire et je vais faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Je ne peux pas, j'ai de l'information auxiliaire, je vais essayer d'extraire le jus au maximum et de le faire correctement pour réduire les biais. Est-ce qu'il me reste à la fin 20% de biais, 2% de biais, 50% de biais? Ça, on ne le sait pas. Et quand tu parlais d'hypothèses, bien sûr, les hypothèses, elles commencent très rapidement. Quand j'ai parlé de modèle de non-réponse, un modèle de non-réponse, un modèle, par définition, c'est un ensemble d'hypothèses. Donc, j'ai supposé que j'avais les bons Z, etc. Et dans la vraie vie, je suis tout à fait d'accord. On voit à Statistique Canada, on voit des... Alors, à Statistique Canada, on utilise beaucoup de paradonnées. On a beaucoup de paradonnées. Mais souvent, c'est assez décevant parce qu'on a un ensemble de paradonnées qui sont fortement liées aux probabilités de réponse. Mais plus tard, on se rend compte que des fois, dans certaines enquêtes, elles sont très peu liées aux variables d'intérêt. Et donc, elles sont inutilisables, elles sont inutiles, comme je dis, parce qu'elles ne sont pas liées aux variables d'intérêt. Et bien ça, à la fin, on fait avec ce qu'on a. Et on espère que tout va bien. Mais c'est vrai, il y a des hypothèses très importantes.